Bien le bonjour les Zings, c'est l'Australie. Yeah, c'est l'Australie en slow bar devant sa télé. Et en compagnie toujours de Necros pour la suite de l'aventure suivie sur Borderlands de pré-sequel. Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et on est reparti donc dans cet épisode 5. Et avant de partir, on vient de remarquer en fait que cette chère charmante demoiselle aux cheveux blonds dorés nous a ouvert ce container Hyperion avec un coffre à l'intérieur qui brille, qui scintille. Qui brille et qu'on ouvre comme ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la mer de marijuana en boîte? C'est pour toi, magnifique! Deux boucliers Maliwan, les deux mêmes d'ailleurs. À quelque chose près. Libère une Nova électrique une fois vide, doit être intégralement rechargée entre deux Nova. Austral? Ah, tu me bloques la porte! C'est ballot! Pardon? Je le dis? Arrière! Démon! Bon! Duel! Tiens, oh, bouffe! Culé, ouais, t'as eu ton bouclier aussi. Ouais, ça suffit les conneries. Bon, du coup, faut que je rachète de la santé puis des munitions. Moi. Voilà. Tac. Bon, du coup, alors attends, parce que j'ai eu deux boucliers merdiques là, on est bien d'accord. Hein. Capacité 55. Ouais, 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 bah revends-les. Puis ouais, on se casse. De la merde, quoi. Allez, go, qu'est-ce qu'on a à foutre là? Ouais, tiens, deux secondes, parce qu'on a des missions. On a de la mission secondaire à faire. Ah! Vas-y, avance, de toute façon, je me téléporte. Ouais. Tac. Je vais au point d'objectif. Et ça se trouve là-bas. Conduis, oh, putain, prudemment, s'il te plaît. Le virage. Conduis prudemment, s'il te plaît. Non! Non! Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le vide. J'avais pas vu qu'il y avait le vide derrière. Putain. Terrain vague. Ouais, terrain vague, ouais. Ah. Bon, voilà, oh, on a perdu un peu d'argent dans l'histoire, c'est pas bien. 135 dollars. 159. Putain, t'es plus riche que moi. C'est pas normal, ça. La branche, quoi. Buggy lunaire, vas-y, on essaie le buggy laser, là. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que c'est... Mais... Qu'est-ce qu'il me dit? T'as une tenue, mon gars. Tu te tiens d'une certaine façon, c'est très chelou. Et allô? Bon, tu conduis mieux, hein, ce coup-ci. Hein. Ouais, c'est bon, ce coup-ci, je conduis prudemment, j'ai passé un test de prévention, c'est bon, je suis valide. Ouais, d'accord. Hop là. Ah, t'as pris le laser, du coup. Ouais, c'est pour changer, pour... Ah, mais c'est ça le laser? Ouais, c'est ce que j'ai là. Piou 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 piou. Oh, de la merde. On peut passer, tu crois, par là? Où ça? Là, tout droit, là? Ouais. Essaye. Ah, si, le pont est à moitié ouvert. Fais gaffe en approchant les dragons. Oups. Ils sont non, c'est bon. Ah, mais c'est la mission principale qui est lancée là, non? J'ai bien failli me faire buter par l'un d'eux il y a deux mois. J'ai gagné une cicatrice sexy sur le ventre. Pourtant, il me semble bien que j'ai lancé la mission secondaire, moi. Ouais, t'as lancé la mission Torg. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, ils sont tout plein de couleurs, eux. Ah, mais ils sont pacifiques, en fait. Ah, merde, je leur tire dessus, moi. Laisse-les tranquilles. Cragons, oh. Pacifique. Pacifique, ouais. Ils sont bizarres, ces mecs. Qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que... Oh, puis on peut vraiment pas leur faire de dégâts, quoi. Ils ont une couleur, mon gars. C'est quoi cette merde, là? Pourquoi ils ont une nageoire, là? On dirait des bonbons Haribo. Bref. Je sais pas, c'est un peu penser à ça. Couleur, mon gars, on dirait des trucs chimiques, quoi. Doit plus être très loin. Entre. Là-dedans, okay. Dans le cratère, là? C'est pour ça que je t'ai filé le prod gun. Non, oui, non. Tire sur les cragons avec ça, ça va les énerver et ils font ça sur toi. D'accord, le prod gun. C'est toi qui l'as, le prod gun? Ouais, c'est le Miss Moxie's probe. Eh, mais c'est marrant parce que moi je l'ai pas. Normalement, on l'a. Ah, mais si. Ah, si, tu l'as. Bah, apparemment, faut tirer sur les cragons inoffensifs là. Effectivement, cragon en colère. Fuck! Au secours! Ah! Wow! Qu'est-ce qu'il fait? Il me fonce dessus! Oui. Meurs. Non, attends, faut les. Non, pousser un cragon à foncer sur les débris. Quel débris? Là-bas, d'accord, ok, j'ai compris. Moi, j'ai pas compris. Quel débris? Là, l'entrée de l'immeuble qui est obstruée là. Ok, cragon, venez à moi. Ah, mais tu les as tués? Non, y'en a un qui me suit là, tu vois pas? Ouais, fais gaffe! Ah oui, c'est pour ça! Viens là, maudite bestiole! Allez, viens là, attends, faut sauter au dernier moment, Jo! Ouais! Oh! Roule! Non, le tue pas! Mais non, mais on lui fait pas de dégâts avec cette arme, de toute façon. Enfin, quasiment pas. Go! Saute! C'est bon. On peut l'achever. Et il est mort. Ah non, ça a pas marché! On va faire respawn. Là, un autre! Par contre, il est pacifique. C'est bon, laisse-le venir. Go! Ah merde, j'ai stoppé sans le vouloir. J'ai pas sauté assez haut. Vas-y, go, roule.
Attends, je vais l'énerver un peu. Amène-toi, c'est parti, va rouler. Roule. Ils ont dégagé les saloperies. Maintenant, entre et récupère le réacteur lumineux. Ah si. Si, si, ils ont dégagé. Par contre, c'est bon, non, il est pas fort du tout en fait. Vous êtes sérieux là? Je vais prendre des dégâts moi là-dedans aussi. Attends. Oh, et puis fuck. C'est toi la déesse d'électricité ou quoi là? Moi. La déesse de l'électricité, c'est pour toi. Ouais, par contre, je suis en train de mourir. C'est pas grave. J'ai plus d'oxygène. Tu pourrais me détruire et je te filerai un super flingue Torg. Pourquoi? Parce que j'en veux personnellement au laser et que j'ai la rancune tenace. C'est un vrai problème dans mon quotidien. Balance le réacteur lumineux dans de la lave. Mais j'en veux pas ton flingue Torg. J'ai presque de la peine pour le gros balèze. Tu peux me donner le réacteur ou le détruire pour Monsieur Torg? Bah celui qui est derrière toi. Toujours pareil. Non, attends, t'as pas compris là, t'as pas compris. C'est où apporter le réacteur lumineux à Springs ou faire rouler le réacteur lumineux dans la lave. Voilà, et si on balance dans la lave, Torg il nous donne un flingue Torg. Mais Ouais, j'aime pas. Et puis l'autre c'est quoi l'autre? L'autre je sais plus en fait, je crois, je suis même pas sûr qu'elle l'a dit en fait. Donc alors attends, c'est quoi l'autre? Faire rouler le machin, apporte le réacteur lumineux à Springs. Je pense qu'on va lui apporter, non? Spring a offert de vous. Ah attends! Spring a offert de vous fabriquer une arme laser si vous lui rapportez un réacteur lumineux. Bon bah Torg alors. Non mais c'est vrai qu'on est à côté. Ah non mais ça me plaît bien moi une arme laser. Le laser? Ça te plaît toi? Pourquoi on peut pas lire la fin du truc là? Comment on fait? Alors voyons voir cela. Spring, ah non mais oui parce qu'en plus Torg c'est un fusil à pompe qui balance hein, donc non j'en veux pas. De toute façon tu veux aucune des deux toi. Voir mes missions, faire défiler, ok CRT. Maintenant... Ah CRT. Ouais. Torg, c'est à proposer, vous payez si vous détruisez. Ah, mais non, il paye Torg. Hein. Il paye. Et Torg, c'est Torg à proposer de vous payer si vous détruisez. C'est Torg à proposer de vous payer si vous détruisez. Maintenant que vous avez poliment défoncé la porte, entrez et prenez une décision. Bah, il vient de dire qu'il nous donnait un flingue. Ouais, regarde, regarde dans les récompenses, il y a l'arme laser non, dessus, bah, et vas-y, derrière. Tu préfères quoi toi? Moi je préfère l'arme laser là du coup. Bon bah vas-y, va chercher. C'est bien pour toi parce que moi j'en ai rien à foutre des deux. Ouais, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble et puis le fusil à pompe Torg, non merci quoi. Ah, par contre j'ai plus d'O2. Par contre il y a des ennemis autour de la bagnole. Il y a des ennemis autour de la bagnole. Lâchez ces voitures. Ça veut rien dire ce que je dis. Ah, je peux balancer des grenades quand même, c'est bon. D'accord, par contre j'ai pas pris la bonne place moi. La bagnole va exploser. Hein. Bah sors de la voiture sinon il va t'attaquer encore. Sors de la voiture pour pas quitter l'attaque. Au secours ! Si je balance des grenades, ça fait pas exploser la voiture. Hein. Si. Tu disais ? Merde, il est pacifique. Ouais, ouais, non, mais je pensais pas. Je pensais qu'il y avait pas de tirami et que ça marchait également. Ouais, le dragon, il va se détendre l'anus là. Bon, ça va, je passe en super spécial Super Saiyan là. Damn ! Pour augmenter mes dégâts. Il est où ? Il est mort. Non, il y en a un là. Ouais, mais deux petits. Putain, mais tranquille toi. Psh ! Couchez le chat. Bon, allez. Du coup, on a plus de voiture, on est obligé de rentrer à pile. Ouais, fuck. Oh, tu vas et puis moi je t'attends. D'accord. C'est pour toi l'arme, c'est pour toi quand même. On peut pas en plus. Attends, pendant que tu vas faire ça, moi je vais faire autre chose. Ah bah non, on peut pas, y'a que ça. Aïe. Y'a que ça comme mission. Bah, fuck. Quoi que je veux dire, j'allais faire autre chose. Une autre, hein. Ouais, mais elle va être où? Je sais rien, regarde. Concordia, la ville se rapproche, on va déjà faire ça et puis. Ouais, mais c'est de l'autre côté, ouais, dans tous les cas, c'est au même endroit qu'il faut aller. Pourquoi? Parce que là-bas c'est là, et puis là-bas c'est. Non, c'est derrière du coup. Ouais, sauf qu'on peut plus y aller. Ah hein, là-bas, c'est pour accéder à la ville en fait. Ok, là où il y a les dragons Malabar. Mais dans tous les cas, Arrib... de toute façon, on est Keblo, là le saut sera jamais assez efficace pour pouvoir tomber là-bas. Ah, quoi que si on se suicide. Ouais, faut te suicider, ouais. Oui. Putain, il manque 2 cm quoi. Comme ma bite. Ou alors on va à Concordia direct, comment on fait? Ah, trop tard, je suis mort. Donc là, tu vas respawn de l'autre côté de la. Ouais, je vais rendre la mission là, comme ça je vais débloquer le flingue et puis. Ok. Ce sera pas mal. Et eh ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas finir la mission. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Et puis, non, c'est pas ça. Puis après, tu iras là, quitter vers chaîne des régalites, qu'on fasse mission secondaire là. C'est le réacteur lumineux. Ah, d'accord. Attends, je t'écoutais pas en fait. Attends, je suis au rapport. Entre moi qui fais rien et toi qui fais tout. Effectivement. Tout le monde s'amuse avec des armes laser et moi je suis là à faire exploser des trucs. Quelle vie de merde. Oh, c'est pas grave. Les gens aiment bien les explosions. Tu dis ça juste pour me faire plaisir. Les gens, ça veut des lasers, pas des explosions. Non, moi j'aime bien les explosions, vraiment. T'es super. Vraiment? Oh, j'ai plus d'oxygène. Non, je t'aime bien. Ça te dirait de sortir avec moi? Désolé. Il tente son coup quand même. Ah bah d'accord, bon bah voilà. Quoi? Elle vient d'avouer... L'histoire du réacteur lumineux, c'est ça. Je
tiens juste à signaler que j'étais vraiment déprimé à l'époque. Aujourd'hui, je comprends mieux que son rejet n'avait rien de personnel et que ma remarque était à rien misogyne. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Laisse-nous tranquille, monsieur Torg. C'est une bonne guerre! Yeah, il est cinglé. Ouais, donc là, soit tu vas au point sud de la map, là où il y a une nouvelle mission qui nous attend, il faut changer de zone. Attends, faut déjà que je réactive la mission, du coup, pour pouvoir rendre le rapport. Ouais, bah vas-y. Bah, putain, que ça me fait chier. C'est bon, là, au rapport, la merde. Il est où, le rapport? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, il est à côté de moi. Je comprends pas, là. Ah, ok, putain, c'est pour activer les missions secondaires. Très bien. Trouver ou détruire un réacteur lumineux. Machin, remettre au panneau les primes. Ok. Et voilà. Ça fait des dégâts de feu et c'est malheur, ça m'a l'air plutôt craqué. Bon, ça bonne nouvelle, en tout cas. Ça me plaît, ça me plaît. Je vais l'équiper maintenant. Tac. Voyons voir. Et là, il n'y a pas moyen de faire spawn un véhicule ici. Merde, ça fait chier. Ah oui, ça. C'est pas mal. Vous voyez ce que je disais, là, chers amis, un petit peu plus tôt dans, au début de l'aventure. Si. J'expliquais que pour les armes élémentaires, ça ne sert à rien de regarder. Enfin, ça ne sert à rien. C'est moins important de regarder les dégâts bruts plutôt que les dégâts élémentaires. Parce que là, vous pouvez voir que dégâts bruts, je fais 5, 6, 7, 7 points de dégâts de moins. Par contre, je fais juste 30, quasiment 30 points de dégâts de plus de... Non, je raconte de la merde. 17% de DPS au lieu de 12. Et 22% de chance d'enflammer au lieu de 15. Sachant que j'ai déjà quasiment 100% de chance de faire des dégâts élémentaires avec mes compétences. Donc ça me plaît, c'est parfait. Ah oui, d'accord, oui, ça c'est vraiment... ok, ça va ne pas du tout te plaire, Austral. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Non, parce que là, c'est clairement du Star Wars-like, hein, y a pas de souci là-dessus. Oh la vache, la putain de sa race. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, bah j'ai pas passé le pont. Ah oui, bah je viens de te voir sur la carte, effectivement. Tu peux respawn où, là? Ah bah ça va, je respawn là où j'ai fait spawn le véhicule. Et tu respawn où, ouais, derrière moi, quoi? Non, je suis à Concordia, enfin à l'entrée de Concordia, quoi. Ah bon? Ouais. Tu peux déployer un véhicule là où t'es? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Vas-y, puis je te rejoins là-bas. Non, le but du jeu, c'est d'aller au sud. C'est pour ça, c'est à moi de venir te rejoindre, en fait. Ah bon? Ouais. Oh là, putain, j'ai des frises là de temps en temps, c'est flippant. Est-ce qu'on peut se déplacer? Ouais. Ça sert à rien. Hop. Alors, go. Je vais passer ce pont de merde. Faut que j'active le réacteur un peu plus tard, en fait. Enfin, du coup, tu me rejoins là? Ouais, je viens de chercher. Ok. Suivi d'instructions. Mais j'arrive pas à le passer, gros. Y'a pas moyen de le passer, le pont. Sérieux? Bah non, j'arrive plus à le passer. Y'en a deux de ponts, hein, t'as vu? Ah, y'en a peut-être un qui est mieux orienté, en fait. Ouais, y'en a un à droite et un à gauche. Ah bah j'ai pris celui qui est... Il y en a un pour l'aller, un pour le retour, en fait, je pense. Non, parce que là j'ai essayé d'activer le réacteur plus tard, le boost plus tard, et non, ça passe pas non plus. Donc il faut vraiment que je parraine l'autre pont, en fait. Où est-ce qu'il est? De quoi? Non, je te cherche, en fait. Ah non, mais je suis à l'autre bout. Ouais, non, mais je te vois. Hein. Bon, c'est parti, on va... Je suis en train de claquer. Bon, ça va, les véhicules sont gratos, c'était pas le cas dans le premier au Borderlands. Tu passes lequel, le pont, là? Bah celui qui est là, là. Ah ouais, bah non, c'est le seul, en fait. Parce que l'autre, tu peux pas le passer dans l'autre sens. Et tu arrives pas. Bah, ah, celui où je suis, tu me vois là, celui où je suis. Attends. Non, je peux pas le passer, gros. Oh putain, ça passe à rien. Bah ouais. Et pourtant, j'active le boost au dernier moment. Hein. ça, par contre, alors les véhicules, ça coûte pas cher, mais enfin, ça coûte rien, mais alors les respawns, ça coûte de. Les respawns, ça commence à coûter cher, quoi, forcément. Non, mais vas-y, va te prendre un véhicule, puis tu vas à la zone, là, comme ça, je serai automatiquement téléporté au portail. Ouais, par contre, c'est où? Tu vas au portail de transition. Je vois pas où elle est... Ah, putain, je me fais attaquer, quoi. Tiens, voilà, là, je t'ai mis l'objectif. Ok, je suis pas du tout du bon côté. Attends, faut que je regarde par où il faut que je passe. Ah, ok. Ah, bah, on est pas loin, en fait. Putain, mais casse-toi! Pas vrai, ça. Derrière cette porte, tu trouves la ville, putain, ça fait plaisir. Pourquoi j'ai pas le... Ah putain, c'est un laser, moi je voulais les roquettes, fuck. Alors moi je suis bloqué parce que même en mourant, même en me suicidant, de toute façon ils me font respawn là. Donc... Wait, y'a un truc violet là. Y'a un truc violet par terre là. C'est une apparence je crois. Oh moi je visite, hein, de toute façon j'ai rien d'autre à foutre. Ah le mec il résiste aux dégâts de feu, quoi. Putain, en tout cas c'est... Pas, ça. C'est une apparence. Apparence buggy, ouais. C'est... Quelqu'un a besoin de santé? C'est sympathique ici. Une vision des enfers là. Ah putain. Une vision des enfers. Ah ouais. Les enfers. Tu as les dit canyons, les enfers. Les canyons plongés dans la lave. Du coup,
Austral qui est bloqué tant que je serai pas. Ouais, je fais ce que je fais plus sur ma chaîne, je fais le putain de guide touristique comme à chaque fois sur tous mes putains de jeux, quoi, de toute façon. Alors attends, du coup, c'est pas du tout par là. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ah, oh, c'est l'arme, ils m'ont équipé l'arme automatiquement. Quelle arme que t'as gagné là? Ah! Je m'équipe automatiquement parce que j'en avais. Tire juste pour voir à quel point ça va te déplaire. Ouais, non, mais c'est. Non, mais j'ai tiré de toute façon, c'est laid, hein. Alors elle est moche, tu sais. Attention, c'est un gamin de 5 ans qui l'a peinte. Mais c'est ça! Ah, mais y'a un drapeau américain dessus. Sérieux? Ah, c'est un... ouais, c'est le Star Spangled Banner qui est dessus. D'accord. Mais ok, c'est... je suis arrivé à destination, tu peux te suicider. Ouais, quoi que non, en fait, je vais faire le non, voyage. Non, mais passe le portail, Zing. Voyage annulé, Austral est dans un menu. Bah oui, je change ton arme de merde que tu m'as refilé. Sors de ton putain de menu! Eh bon, c'est bon, vas-y, allez, abrège. Je peux y retourner quand je veux dans le menu, donc attention. En tout cas, c'est chouette ici. Régolith Trange, bon, il y a une mission à faire ici, après on passera sur Concordia. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas dans cette putain de ville depuis le temps qu'on veut une ville. Tu m'étonnes. Et je bouffe des laïs dégustation. Voilà, je fais ma petite pub comme toujours. Bon, tu grimpes? Oh! Je savoure les laïs dégustation. J'achète pas des chips de pauvre, mon monsieur. Le mec! Genre, j'achète des chips de pauvre. Ah, je sais pas, hein. Voilà, 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 voilà. C'est un peu la galère quand même à conduire. Wow. Fais-moi confiance. Alors mes zingues les plus fidèles, ils vont se dire putain, ils bouffent pas des Pringles, l'autre. Grave. Ah, j'ai abandonné, j'ai changé d'écurie. Oh, oh, sale traître. Non, Pringles, ça m'a saoulé, j'en ai bouffé pendant 3 ans. Sale traître. J'en peux plus des Pringles. Pendant 3 ans, j'ai tout essayé, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les goûts. Et d'ailleurs, il y a une sorte de Pringles qui n'existe pas et c'est un scandale, parce que je serais un des plus gros acheteurs. C'est des Pringles au fromage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bah t'as les Pringles spicy au fromage avec je sais plus quoi, c'est fromage et puis je sais plus quoi. Piment fromage. Ah ouais. Mais t'as le piment quoi, donc j'aime bien, mais bon, je voudrais que des Pringles au fromage, tu vois, mais ça n'existe pas. Ou alors oh, peut-être le mec espèces... Ah ouais, tu sais, je fais plus de dégâts quand je suis en l'air, moi, c'est wow vrai que... Je viens de voir ça, quoi. Attends, il redescend. Non, il est où? Y'a un mec qui a été envoyé dans la stratosphère. Oh, le truc de dingue. Tous les viewers auront compris. Et tu, je pourrais pas viser aussi, un petit sac à merde, va. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais te confronter au chéri. Putain, merde, je suis tombé dans... Il est mort. Oh putain, j'ai fait trop de la merde. Bon, du coup, on va à l'objectif parce qu'on a déjà vu cette zone, hein. Donc on va peut-être pas le... traverser une zone qu'on connaît déjà. Je vais tester mon bouclier, moi. Allez, tire-moi dessus, là. Allez. Continue. Encore. Vous avez remarqué que le véhicule... Damn est orange. Eh, je fais pas les choses n'importe comment, moi. Bon, allez, je vais à l'objectif, quoi, parce que toi, t'as l'air de t'amuser. Alors, tous ceux qui voulaient pas... Tous ceux qui sont épileptiques, les mecs... Je pense que vous allez en prendre plein la gueule. Eh, foutu la carte. Ok, c'est déjà pas par là. Je suis en voiture et je ne sais. Il y avait déjà une voiture ici, putain. Les mecs, on les casse même pas les voitures, mais on les fait quand même respawn, tu sais. On est des riches. Contre, c'est quoi le bip que j'entends là depuis tout à l'heure? C'est sûrement ton oxygène qui est en train de. Ah putain, j'ai pas réussi à monter. Crever. C'est bon. Pour toi, le nimbo là, on va t'écraser, voilà. Parce que, pas de raison qu'on t'écrase pas. Il y a moyen de passer là. Bon, allez, il va nous faire crever, il va nous faire crever. Il va nous faire crever, putain. Ah, merde! Mais non, mais moi je voulais une scène à la John McClane, mon gars. Ouais, non, t'es pas John McClane, arrête! Bah non, mais attends. Tu fais la Stallone à la Rambo, moi tu passes sur un truc avec du feu en dessous et tout, tu sais. Avec la musique de Terminator là-dessus. Parada! Papapam! Parabam! Papapam! Parada! Papapam! Bam, 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 bam. Nous avons officiellement perdu l'Austral. Bon, attends, je vais à l'objectif. Moi. Il est où? Ouais, vas-y. Il est là l'objectif? Je sais pas où est l'objectif. Si, il est juste là en fait. Il est au-dessus de ce truc apparemment. On peut pas monter, c'est trop haut. Mais bien sûr que si, qu'on peut monter. Attends, parce que moi j'étais pas sur le bon emplacement aussi. Ouch! Le gars il me regarde avec ses yeux. Il m'énerve. C'est toi qui m'as tiré dessus, enculé de ta race? Petit nabo là. Enfin, le petit nabo.
Tu me tires dessus là. Passe-toi au jus. Voilà. Bon, alors comment ça se passe, Lilou, l'objectif des missions? Je comprends pas, tu le vois? Tu vois l'objectif? Non, je ne vois absolument pas l'objectif. Il a dit ça que cette merde. Si, il est là, il est pile poil là normalement. Quoi. Bah, je suis en plein dessus moi. Il est sur la trappe là, non? Rejoindre la salle de sécurité. Bah, on y est à la salle de sécurité, non? Je sais pas. Ah, oh, c'est peut-être en dessous. Rejoindre la salle de sécurité. C'est pas dans ce bâtiment, gros? Je sais pas. Y'a pas un truc là-dedans qu'on aurait pas fait? Non, non, j'ai pas l'impression. Puis là-bas, on peut plus y aller. Puis là-bas, non, bah non, parce que là, on s'éloigne. Merde. Du coup. Elle est pas mal celle-là. L'objectif il est pile poil, tu sais, sur la plaque de pression, on dirait. Ouais, bah oui. Donc il doit être en dessous. On est censé faire quoi en fait? Je sais pas. Je sais pas. Mais là où il y a le truc, je suis bête et discipliné. Moi, je suivais le mouvement. Tu peux aller dans un truc, j'y vais. Hein. Putain, alors, Springs à un plan, vous allez devoir lui faire confiance, elle va. Les gars de malade. Vous expliquer ce que vous devez faire maintenant et que vous avez. Il m'a éclaté la gueule, l'enculé, attends-toi. Équipez-vous du bouclier et rendez-vous aux coordonnées pour qu'elle vous a indiqué. Ah, parce qu'elle nous a filé un bouclier. Merde, t'es en train de mourir? Non, c'est bon. Oh, c'est bon. Elle nous a filé un bouclier, apparemment. Putain, les mecs sont vachement au courant de ce qu'ils, font. T'sais. Attends, je lis. Laisse-le chill. C'est celui-là? Non, bah non. Je sais que cette merde. Je comprends pas là. Équipez-vous du bouclier et rendez-vous aux coordonnées qu'elle vous a indiquées. Ah, mais attends, faut que s'équiper du bouclier qu'elle nous a filé. Bah oui, mais je crois pas qu'elle nous en ait filé. Je me fais spammer, ça va pas du tout. Je crois pas qu'elle nous ait filé de bouclier en fait, c'est ça le délire. Ça va être violent. Ah oui, pour ceux qui se demanderaient, j'ai débloqué une nouvelle apparence de véhicule que j'ai ramassé juste avant. C'est rien de bien important, bon, c'est un truc complètement secondaire. Bon. Merde, alors je attends, équipé le bouclier qu'elle nous a donné. Tu l'as fait toi, t'as équipé le bouclier qu'elle nous a donné? Mais je suis même pas sûr qu'elle m'en ait filé en fait. J'en ai un, mais je crois que c'est celui que j'ai ramassé. Comment il s'appelle? L'Azurly Shield. Ah bah c'est pas ça. Moi j'ai le Junior Shield, mais je pense pas que ce soit ça. Non, puis comment? Tiens, je suis là. À mon avis, on a oublié de le prendre son bouclier. Oh putain. Non, non, parce que l'objectif il se serait pas mis, gros. Bah oui. L'objectif il se serait pas mis. Ah, je comprends pas. Bon bah nous avons un bug. Ah ouais, je crois bien que c'est un bug ça. Innova sans problème, machin, rejeuner à celle de sécurité. L'objectif, on est bien d'accord qu'il est... Putain, on est en plein dessus, là, faut arrêter, quoi. Il est là, mais il est même peut-être un peu plus en avant... Ça se trouve, c'est en bas, moi, je me demande si c'est attends, pas en bas. Sur ma... Voilà, il est là, l'objectif, il est dans ce truc-là, gros. Cette espèce de... Ouais, bah, à mon avis, ça doit être en dessous. Cette espèce de petite... Je sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. Ah, attends, regarde, gros, il y a un truc ici à activer, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, t'as trouvé un truc à activer? Ouais. Systèmes de sécurité check. Autour de toi. Désactive-les tous en même temps pour ouvrir le coffre. Oula. Désactiver les caméras et le coffre-fort. Ah oui, d'accord, en fait, d'accord, je me demandais pourquoi elle visait. Par contre, les caméras, je sais pas si c'est considéré comme un ennemi, je vais quand même tirer dessus. Ah non, mais attends, elles sont craquées les caméras, je peux attends, pas tirer. Mais t'es où là? Bah, je vais essayer de survivre. Ah, ah t'es rentré? Ah, tu m'as tué le gars que je voulais tuer pour sortir de la survie. Pas le temps de se détendre, on a du pain sur la planche. Ah, j'arrive pas à viser là, je suis trop loin. Que ça met. Oh, attends, parce que lui c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, voilà. Tac, viser auto, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce skill là qui correspond bien à mon perso. Allez, j'ouvre toute cette merde. Ils sont où les ennemis, merde? Ah, je me fais spam encore, putain. Hey, c'est le mec qui est derrière toi là. Bam. Voilà. Oh l'enculé, je l'avais pas vu celui-là. Attends, attends, je me le fais. Non, je voudrais essayer de te soigner avec du, de l'oxygène là. Ouais, vas-y, essaye ça. Ah, ça va beaucoup plus vite en fait. Ouais, ça va carrément plus vite. Mais comment tu fais? Oh la vache. Y. Tu maintiens Y en fait, comme si tu me soignais normalement. Faire à distance que... Non, non, faut, c'est pareil. D'accord. C'est pareil, faut que tu sois à côté de. Par contre, ils font mal les ennemis là. Je sais pas ce qu'ils ont là, mais ils font très très mal. Bon, attends, on est censé désactiver ça comment en fait? Oh putain. Pas... J'aurais un sniper avec une cadence de. Eh d'ailleurs, si tu trouves un. Non, c'est Vladov, ils font pas des snipers, je crois. Vladov, non, je crois pas. Si tu trouves un sniper du type DAL. Ouais. D'ailleurs, par contre. Parce que là, Jacob, ça va pas le faire. À moins que tu trouves un sniper Jacob avec une bonne cadence. D'accord, bon. Fallait désactuer les caméras en fait. Ouais, ouais, mais en fait, j'essaie de tirer dessus, je peux la revendre là. Ah, faut faire les deux en même temps, ok. Je prends celle de gauche, tu prends celle de droite. Tu les as vu les caméras ou pas? Là, mais dans le même temps. Là, juste là. Attends, j'achète de la santé ou je suis dans la merde. Voilà. Où ça? Là, il y a une caméra là. Là, tu la vois là. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y en a une près des boîtiers électriques. Jette une grenade à tes pieds.
demande à quelqu'un de te tirer dessus. Cogne-toi le pif. Enfin ça, non, tu peux pas. Pardon. Ah, tu me tires dessus, en fait, je crois. Non mais attends, parce que des caméras, il y en a une, deux, trois, quatre, et a priori, il y en aurait une cinquième, et je sais pas où elle est. Bah attends, je vais voir. Il y en a une là, une là. Un, deux, trois. Il y en a que deux dans la pièce, quatre. Là. Ah, il y en a une là. Non, il y en a quatre dans la pièce. Il y en a, a priori, il y en a une cinquième, mais je la vois pas. Je vais aller... Il y en a une là au-dessus des distributeurs, tu l'as vu ? Putain, elle est où ? Mais je comprends pas, de toute manière, faut qu'on les fasse les 5 en même temps, mais c'est pas possible. Je la vois pas la 5ème déjà. Tiens, Mira, les coffres. Attends, je vais aller dehors pour voir. Ouais, moi aussi, mais. Nisha, son regard flippant. Moi, avec ma visée spéciale, je peux voir s'il y a des trucs à viser, mais à part. Non, dehors, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Désactiver les caméras et le coffre-fort. Genre, faut tirer sur le coffre-fort. Ah, d'accord, c'est le coffre-fort le 5ème. Ah oui, d'accord, oui. Alors, comment on fait pour désactiver en même temps, en fait ? Bah, tu tires dessus. Ça marche pas ? Si, mais en fait, tout à l'heure, j'avais déjà tiré dessus, mais... Non, regarde, sa barre de vie, elle est encore là. Tire-moi dessus ? Non, la barre de vie, elle est encore là. Ah, parce que moi, regarde, quand je tirais avec mon arc électrique. Tu vois ? Bah, ça l'a désactivé, mais pendant une seconde, quoi. Regarde. Faire les 5 ? Ça, on est censé faire les 5 ? Ah bah attends, vas-y, j'ai ma compétence, moi ça va aller vite. Ça y va. Ça me paraît ça bizarre. Non mais là, elle tire. Ouais, y'a pas de visée auto. Ah, ça marche pas. Si, 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 ça tire dessus, mais ça marche. Bah là, ça y est. Je comprends pas. Elle a dit quelque chose, t'as entendu ? Ouais, faut je sais pas quoi. Ouais, le problème c'est que j'entends pas beaucoup avec le son de ma télé qui est assez bas, j'entends non, pas. Non, mais là c'est le distributeur que j'ai activé qui a parlé. Ce que disent les PNJ. Ouais, non, mais tout à l'heure quand elle a. Ouais, mais je sais pas, en fait elle a dit agenouille-toi, je sais pas quoi, dis à demande ouais, à quelqu'un, dit... lance une grenade. Merde, je. Vous avez quand même désactivé toutes les boîtes électriques et les boîtes électriques en même temps. Ah bah oui, mais c'est ça en fait, l'explosion produite par le bouclier Nova en fait, faut se faire tirer dessus en fait. Non mais on a pas de bouclier Nova. Et ça va faire une explosion Nova On a pas de bouclier Nova. On a pas. Merde, putain, l'abruti, je sais. C'est les deux que j'ai revendus. Ils sont là. Normalement, oui. Bon bah voilà. Ah, t'en as eu deux, moi j'en ai pas eu, comment ça se fait? Fuck. Bah rachète les pendant qu'il y a encore. Je peux pas, faut aller les rechercher là où je les ai vendus. Et c'était où? Bah là où elle nous a donné la mission. Bon, on y retourne. Oh, puis attends, puis il y a eu un temps de chargement entre temps. Putain. Ça se trouve ils sont dans les ténèbres là. Ellipse. Bah ouais, mais ouais. Je dis ellipse. Bon bah ellipse, hein. Désolé chers amis pour ce fail. Bon bah voilà, bon. Bah, chers amis, donc on est de retour, donc c'est le fail, c'est le méga fail. En fait, le bouclier. On a perdu donc... les items. Le bouclier dont on avait besoin pour réaliser cette mission. Et bah ce con avec qui je joue, il l'a revendu. Enfoiré de merde, voilà. Puis toi, t'en as pas voulu, je te signale, tu voulais même pas en ramasser un seul. Ah mais moi, si on m'avait écouté, moi, et bah il sera encore dans le coffre. Bon, toujours est-il qu'on a, on a pas. Donc là, on a trouvé. Enfin, j'ai trouvé une solution en off. En très gros, c'est soit on attend d'avoir un bouclier du type bah, de similaire hein, qui nous tombe entre les pattes, un de ces quatre dans le jeu, et on finira la mission plus tard. De toute façon, elle est en suspens, hein, elle n'est pas perdue. Ouais, soit on va, parce que moi, personnellement, je pense Necros aussi, on va entamer chacun de notre côté une partie en off avec en le claptrap pour farmer justement, pour faire tout ce qui est désagréable à voir pour vous. On va le faire en off tout ça. Et donc, au cours de cette partie, on va trouver chacun de notre côté les boucliers en question puisqu'on va refaire cette mission-là. Et ces boucliers-là, on va essayer de se les transférer. Dans Borderlands 2, il y avait un système pour un casier, en fait, dans la ville principale du jeu. Un casier qui vous permettait de transférer des armes, d'y stocker des armes ou des objets. Et ça vous permettait de les transférer entre chacun de vos personnages sur un seul et même profil. Tu veux pas bouger de là ? Merci. Si, j'avance. Mais calme-toi, j'explique. Donc là, on va essayer de trouver ça sur la partie en off qu'on va faire. Et puis, on va se transférer les items sur cette partie-là. Oui, allez, dans le pire des cas, si jamais on en retrouve un bouclier qui fait une explosion Nova, on pourra toujours essayer de le faire. Vite fait, voilà. du coup, ce qui fait chier, c'est que la mission, elle proposait 5 perles lunaires. Ouais. Alors, attends, parce que combien de temps d'épisode, là ? Merde, j'ai pas regardé. Non, mais on a encore le temps. On était même pas une demi-heure, hein, de toute façon. Ouais, mais bon, 40 minutes, on a dit. Ouais, 28 minutes, tu vois, avec le temps qu'on a perdu, tout ça, donc c'est bon. Ok, donc ce qui fait chier, c'est qu'on a perdu des perles lunaires là dans la. Ouais. C'est ce que nous donnait c'était la récompense proposée en fait. C'est donc ça. On saura pas ce que c'est, on verra ça plus tard.
Allez, on coup, on va en direction de Concordia, là, a priori, la ville. J'espère. Oh bah oui, ça m'a bien l'air d'être ça, oui. Ça m'a bien l'air d'être ça, et ça fait plaisir, putain, enfin une ville. Ah, une ville ça change tout dans ce putain de jeu. Exactement. Très bien, c'est là où tu prends, c'est là où tu passes le plus de temps, déjà. Ah. Je m'y connais. Trouve le dénommé Huxter. C'est un ancien d'Hyperion. Il dirige la ville. Ok. Donc on est censé aller voir le shérif, quoi, j'imagine, au final. Et ben en tout cas, putain, il y a les autoroutes et tout en bas, genre, les autoroutes du soleil. Ouais, chauffe, il y a les autoroutes pour accéder à la ville et tout. Ouais, enfin, tu vois pas bien loin, quoi, avec les autoroutes. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ouais, d'accord. Ah, toi, tu comprends okay. pas. Tiens, des poubelles, je vais fouiller les poubelles, tiens. Binocle, lui, il comprendra, lui. Tac, tac, là tac. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ouh, c'est quoi, ça? Ah bah tiens, pierre lunaire. Donc permet d'obtenir des armes avec la lunaire et permet d'acheter des améliorations et des bonus à Concordia. Et bah parfait. Ah, puis j'en ai gagné 13, toi aussi. Enfin, ouais. On en a 13 en tout. Non, moi j'en ai que 3, parce que toi t'en avais 10, je te rappelle, ouais, grâce aux sauvegardes. D'ailleurs, c'est dégueulasse, moi j'ai acheté le Season Pass, j'en ai même pas eu. Hein. C'est J'aurais pas grave. Pu m'en offrir, hein, les fumiers. Tu es ce qu'on appelle un pigeon de la société de consommation. Bien le bonjour, citoyen. Agenoue-toi devant ma puissance. Non mais laisse-le tranquille, pardon. Qu'est-ce qui t'arrive là Ah, le clap tout, le clap tout, le clapi. Ah, c'est un clap trap flic. Espèce de sale petite merde. Tu vas enfreindre la loi de moralité verbale dans l'espace. Ça te fera une belle amende. Va te faire voir. Sérieux? Une deuxième. J'adore les règlements. Tu la ramasses. Sac à merde. T'assumes. Sac à merde, c'est une insulte. T'assumes tes conneries. Tu la ramasses, tu payes. Non mais, tiens. Sac à merde, c'est une insulte. Comment ça se passe? Je te colle une troisième amende. Il va se détendre le douanier là. Gros con de flic de merde et au service de l'État qui me fait chier. Non, puis rajouter aussi raclure de bidet. Eh, c'est quoi cette. On peut pas passer à travers. D'accord. Attendez-moi. Ah, ça payer des amendes. Ça coller des amendes là, y'a du people. Oui, voici Concordia, le plus puissant des ports spatiaux d'Epis. On s'en fout de ta ville de merde, on va la ravager là. Yeah. On vient la piller, t'as pas compris, espèce d'enflure. Les mecs ils arrivent, ils fouillent partout dans tous les coffres. Pourquoi je peux pas passer casse-toi, là? Casse-toi parce que tu me gênes. Incroyable ça. C'est mon putain. Flic. Je préfère te prévenir, ça va être bizarre. Et j'ai commencé à avoir 1728$. Il est plus riche que moi, mais c'est pas normal ça. Ah mais n'oublie pas que je m'appelle Nisha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire Austral arrête, ça arrête, hein, qu'est-ce que tu insinues? Roule. Allez, roulez jeunesse là, mène-toi le cul, clap-trap là. Cool. Ouais, c'est bon. Que là, on n'aura pas que des problèmes de gros docker sinon. Pour la décontamination. Bon. T'as envie d'avoir le crif sur le dos. Je te ferai entrer. Maintenant, tu te débrouilles. Ok. En tout cas, ça m'a l'air extrêmement futuristique. Ouais, ça m'a l'air un peu space. Ça m'a l'air d'être Sanctuary, un peu dans le même délire, hein, finalement. Oula. Quoi? Oula. Pardon? Infirmière Nina. Mon dieu. De décontamination. Bouge pas sous rayon. Ça c'est raciste aussi. Complètement. Et puis en plus, je voudrais pas dire mais... Une Allemande qui veut faire un... Une Russe. Une Russe, pardon. Qui était en train de se préparer à lui faire subir... l'une des choses les plus horribles qui existent en ce monde. Avec son foulard en fait. Je sais pas. Genre, faut rentrer là-dedans. C'est la meuf qui allait subir le processus de décontamination. Il est où? Ah, je vais prendre ça, moi. Il est là. Ah, attends, il est un distributeur. Hein. J'ai racheté un bouclier, moi, il est pas mal. Ouais. Bah, il est moins bon en capacité, mais il est meilleur sur la rapidité. Donc, ça me correspond bien, c'est ce que je veux. Je veux de la rapidité, moi, je veux que ce soit efficace, putain de ta mère. Pardon. Calme-toi. Ah, mais était quand même pas mal parce qu'il réduisait les dégâts dus aux explosions. Ah, bon, du coup, j'ai acheté. Les posters d'Al, là. C'est quoi ça? Stability, oh, du coup, je l'ai acheté pour rien, c'est pas grave. Loyalty. Bon, bref, subir le processus de décontamination. Là, on pue. Et on est deux ouais. Là dans une cabine. Pour enlever ta capuche de mendiante, c'est pour ça qu'ils nous font passer des tests comme ça aussi. Ta gueule. Avec ta capuche de mendiante, là, ouais, forcément, ils croient qu'on est des clochards. Viens me voir pour faire soigner, mais juste pour blessure grave. Nina a horreur des gros bébés. Sauf si c'est vrai gros bébé. Ça, Nina, j'adore. Ça devient glauque. Tiens, prends.
Je sais. Médecine d'urgence, objet de mission, système brouillé, plus qu'un sou. Bien, toi. Hey! Autre soin, utilise distributeur pour acheter santé. Non, mais ça, on est au courant, ma belle. Abrège! Putain, elle a abrégé en plus. À moi. On arrive dans la ville? Oh, distributeur, attends. On arrive dans la ville quand même. Attends, y'a plein de trucs à fouiller. Merde, j'ai ramassé un truc, je sais pas ce que c'était. Du monde ici. Calme-toi, cours pas comme ça, tu vas te faire mal. Mais il saura peut-être comment traquer le signal. Ce type profite toujours d'une généreuse pension du temps où il bossait pour Hyperion, dans ma division. Je suis quasiment son chef, c'est comme s'il était déjà de notre côté. Il y a un mode de grenade, là. C'est quoi? L'objet d'incendiary grenade, ça me plaît. Je ne veux pas. Moi, je veux. C'est l'objet du jour. Attends, parce que du coup, il y en a peut-être d'autres. Ouais, il y a un distributeur HS. Chaque fois, il y a des distributeurs HS. C'est quoi le mode de grenade? Il y a des modes de grenade, là. Je vais voir de quoi le retour. J'achète celui-là, tac. Je vais mode l'équiper. Grenade. Ah voilà. Je vais l'équiper ta suite. Vas-y. Ouais, c'est que des trucs classiques. Hein. Ouais, bah c'est ça, bah c'est le début, de toute façon. Mode de grenade, tac. Et puis les oxygènes, là, il y en a qu'un. Ok, bon, la ville. Bien le bonjour à tous. Très chers habitants. Mais elle est complètement glauque en fait, cette ville. Très chers habitants de Concordia. Et genre, je peux descendre. Moi, je suis dans les bas quartiers, moi. Je meurs si je tombe là en bas? Ah mais c'est d'où on vient en fait. Ah oui complètement, là toi t'es revenu en arrière. Ouais. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voir comment menu ça shift. Putain ça c'est vrai, c'est ça, c'est la ville spéciale. Non c'est connecté la base spatiale d'Hyperion je crois. Vous n'êtes actuellement pas connecté à un compte shift tant que vous n'êtes pas... connecté, vous n'êtes pas autorisé à participer aux événements communautaires et aux missions Shift et ne pouvez pas recevoir de récompense ou jetons Shift. Veuillez vous connecter à Shift depuis le menu principal. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est un truc de jeu en ligne, ça. Le Shift? Ouais. Moxie, un personnage récurrent hein, de la... Ouh de la Ouh non. Mais attends, calme-toi. Elle est où? Moxie Saga Borderlands, hein, qui Moxie apparaît... premier héros. Moxie a également ici un easter egg Moxie concernant... Ma gueule! Putain, j'explique un truc là! On a également Maya ici, hein, 720 ouais, millions de dollars. Maya? Maya. Moxie? Maya? Lilith? Y'a Lilith? Jacobs, une pub pour Jacobs, Big Gunter. Y'a Roland? Moxie's. Mais où elle est, Moxie? Elle est où, ma jolie belle paire de Nibar? Donc, un personnage qui apparaissait dans le premier opus. Dans un DLC du premier opus, qu'on retrouvait absolument partout après. Dans tous les DLC, dans tous les jeux Borderlands, voilà, tout ce qui était estampillé Borderlands, il y avait les gros seins de Moxie dessus. En ouais, fait, mais justement, je les ai pas trouvés ces gros seins. Viens voir, Oz, viens voir, regarde. Ta-da-da, ta-da. Ah, une station pour changer de gueule. Exactement. J'ai rien gagné, moi. On avait pas gagné une tête au fait, au passage. Non, une apparence. Et une tête aussi, non? Non. Il me semblait. Oh putain, c'est tellement laid. Tiens, regarde ma tête. Oh! Regarde ma tête, gros. Qu'est-ce que j'ai... Ah, mais t'es toute blonde. Tiens, regarde la mienne. Ah, mais t'es toute blonde. Mais toi, t'es en mode alien. T'es toute blonde, c'est chelou. Ok. C'est laquelle que t'as prise? C'était la dernière? La... Ouais, solitaire Omega, c'est la dernière, moi, c'est la troisième. Chasseur de l'arche resplendissant, moi, c'est ça que j'ai pris. Attends, moi, je vais garder avec la capuche quand même. Alors, elle a quand même la clé, cette petite niche. Hein. Moi, j'aime bien la petite Athéna, quand même. Ça fait plaisir. Alors, on va voir toutes les tenues, parce que du coup, on a été tellement vite dans le menu de sélection qu'on n'a pas eu le temps de regarder tout ce qu'il y avait. Il y a des trucs sympas, quand même. Hein. Ouais, et les trucs sont sympathiques. Je trouve plus mon compte qu'avec Salvador, pour le coup. Putain, j'ai tellement de tenues noires et orange, mon gars. Ah, moi, j'en ai une, mais elle est parfaite. Donc j'ai une tenue toute noire presque, par contre c'est sympa celle-là. Jeu d'ombre. Grand tour. Ah, okay, violet bon, traître. Ah, je vais conserver l'orange taché parce que pardon. C'est les couleurs de l'Australie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là et ça fait plaisir. De vomir sur mon ordi. Orange taché, le nom on change pas. Et puis donc là on peut réinitialiser tous les points de compétences qu'on a attribués. Le problème c'est que ça coûte cher et Necro s'en est friand de ce genre de conneries. J'ai tendance à claquer tout ma thune dedans, c'est vrai. Mais genre il claque par 125 000 le gars. Facile, parce que après ça coûte combien? 221, ça va encore, 221 dollars. Mais ouais, pendant un.
quand t'arrives à une certaine, un certain passage du jeu, ouais, c'est 250 000 dollars leur initialisation, quoi. Hey, j'en ai claqué une bonne quinzaine. Hein. Mon premier fusil à pompe. Ah, des armes, enfin. Enfin, ils vont que ah, de la Vladov, merde. Ah, mais... Sniper Vladov, je veux. Bah, le prends, Sniper prends, Vladov. T'excites pas. Il y en a un qui fait 51 de dégâts. Ah bah, je vais prendre. Par contre, la cadence de tir, c'est ce qui m'intéresse. 3,1. Putain, il y a... Ouais, mais de toute façon, lui, il vend jamais d'armes... D'armes élémentaires. Ça, les armes élémentaires, moi, je vais être obligé de les trouver dans le... durant l'aventure. Hein. Je vais pas avoir le choix. Ah, j'ai pas envie de leur vendre mon mon Mukamuk là, parce qu'il est quand même beau. Hein. Je garde parce qu'il est quand même beau. Putain, ce que c'est que ce bug de merde. Merci. Mais je vais le changer quand même. Je vais le garder. Je vais faire ça. J'ai un fusil à pompe Jacob, tiens, je vais vous montrer tout ça d'ailleurs. Ouais, non, le meilleur celui-là. Fait exploser les masques à oxygène, inflige 50 points de dégâts d'oxygène à l'adversaire en duel, provoque une explosion standard. C'est pas mal. Ok. C'est pas mal, mais c'est vrai que le chargeur est pas top. Je vais conserver. Revolver, c'est vrai que c'est mon arme de prédilection. Moi j'ai tout un skill tree qui me permet d'améliorer les dégâts que je fais au revolver, donc ça serait con de changer d'arme. Par contre, non, je vais rééquiper ça. Voilà, donc ça c'est mon nouveau sniper, c'est un Vladov. Voilà, la cadence de tir c'est déjà pas la même. Et ça, avec ma compétence, ça va être meurtrier, je peux te l'avouer, je peux te le dire. Mais c'est quoi ça? Son buteur de munitions. Il y a peut-être d'autres modes de grenade ici. Ah merde, je viens de revendre un flingue Jacobs. 28, oh, y a... 28 de dégâts, je pense pas que ça t'intéresse. Un flingue Jacobs, 28 ouais. De dégâts. Attends, je t'ai dit ça. Fond insuffisant, fuck. Ouais, j'ai plus de sous moi déjà. Sérieux? Enfin une bonne nouvelle. Ça fait 40$ si je le revends, c'est 3 fois rien, et il m'en faut 200. Ah bah c'est bon, j'aurai assez. En fait, je voulais m'acheter lequel moi déjà? Celui-là, je voulais m'acheter. 40$, ça fait 269, j'aurais pas assez. Il me manquera quelques dollars. Puis je vais pas demander à l'autre parce qu'il va faire la gueule. Donc. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est bon, on commence pas comme ça. Non, c'est pas grave, de toute façon, on peut gagner un bonus qui est pas top. Bon, tu le veux le flingue Jacobs ou pas là? Combien il fait, tu m'as dit? 28 de dégâts, non, ouais, 94 ouais. Précision, 16,7 cadence de tir. 2,1 vitesse de rechargement et 6 chargeurs. Non, bah j'ai tout de mieux dans le mien. Donc ok. Ah ah! J'ai trouvé quelque chose qui va te plaire! Où ça? Moxie? Mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour. Non, c'est pas Moxie. Ah putain, c'est les clés. Ouais, ça, les clés, on les aura. Clé en or, ouais. Et toi, t'as acheté un season pass et t'as pas les clés? Ouais, mais il faut peut-être attendre une mise à jour. Allo? Non, mais grave quoi. T'as acheté un season pass et t'as pas les clés en or. Donc du coup, je vais pas le prendre le season pass. Ah, tu t'es pas. Non, je vais le prendre, mais ouais, je pensais qu'on avait des clés en or moi, avec les season pass. Bah ouais, mais peut-être après une mise à jour, je sais pas. Donc ça, c'est un truc. Putain, mais elle est immense. Dans Borderlands 2, on en a pas eu beaucoup des clés en or parce que pareil, c'est des bonus de pré-coup, des machins comme ça en général. Et puis nous, on joue au jeu vraiment à l'arrache. Ouais, complètement. Et donc du coup, on n'a pas su vraiment. Si en général, t'as des bonnes armes, des armes violettes minimum. Donc, si, bah ça... rappelle-toi, ouais, on en avait une. On avait eu des clés, mais complètement au pif d'ailleurs. On a jamais su comment on les a chopées. Moi j'avais eu des clés parce qu'apparemment Gearbox Software donnait des clés parce qu'ils avaient eu un bug je crois sur leur jeu ou sur une mise à jour ou quoi. Ils avaient refilé des clés. Putain, je me suis envolé mais je me suis propulsé comment là? Putain, mais j'ai ramassé un truc là, merde, j'ai pas fait gaffe ce que c'est, à chaque fois je vais trop vite. Et je me suis propulsé comment là? J'en sais rien, tu me poses de ces questions. J'ai fait un truc mon gars, c'est hallucinant, j'ai jamais réussi à le faire depuis le début. Tu sais, j'étais en l'air et je me suis propulsé en avant mais super vite quoi. Ah ouais. Ah mais c'est des cristaux que je ramasse depuis tout à l'heure. En fait. Là, j'arrive plus à le refaire. Tu verras dans ma vidéo. T'es propulsé en avant super vite. J'étais là-bas et je suis arrivé à la statue, mais en mode super vite en avant. Mais tu verras dans la vidéo, j'ai pas compris. D'accord, bah j'arrive pas à le refaire. C'est un bug. Ok. Bon. Bon, Moxie, elle est où Moxie? Il faut trouver un bar. Hein. Une enseigne lumineuse, quelque chose. Mais non, mais il est là son bar là. Vous avez maintenant découvert deux destinations voyage éclair. Ok. Par contre, j'ai vu, il y a Lilith, il y a Roland. Où ça? Là dans le bar de Moxie. Attends, je vais leur dire bonjour depuis le temps. Et il est où le bar de Moxie? Il est au-dessus là. Ah, faut là Moxie... où il y a marqué Moxie en gros. Ah mais non, mais là c'est la fenêtre. Salut Lilith. J'essaie de passer par la fenêtre, t'es un vandal moi. Par contre, on peut pas leur parler. Ah, il y a les Daft Punk. Putain, il est cool son bar. Il y a les Daft Punk. Oh, il y a le Captrap qui boit. Regarde, il y a les Daft Punk mon gars. Carrément, là, c'est le gros easter egg, ça je suis sûr. C'est ça. Il y a le Claptrap là, ouais. Lilith. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es devenu une salope? Elle danse et tout, l'autre, tu sais, comme ça, puis en Roland qui l'a reluque, ça va les gars? Bon bah c'est bien beau, mais. J'ai pas trouvé une Moxie moi. Ça m'emmerde ça. Bon, enfin, ouais, on est en train de tourner en rond pour rien, on a dépassé le temps de l'épisode depuis un petit moment déjà. Bah ouais, faut couper.
Donc on va s'arrêter là donc pour cet épisode. On était avec... Ouais, les machines à sous. Les machines à sous. Oui, machines à sous. Donne-moi des récompenses délicieuses. Calme-toi. Fuck. Je lui ai déjà dit de s'arrêter, c'est pas bon pour son cœur. Bon bref, oui, on a dit qu'on s'arrêtait là pour cet épisode. Oui, parce que sinon on va être encore là demain. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, bien entendu. Sur ce, bah écoutez, à bientôt. Exactement, à la prochaine les amis. À la prochaine. Allez, ciao. Sur l'alternative, etc., etc. Et Neko Steve, n'oubliez pas. Allez, vous pouvez switcher entre les deux. Hein, voilà. Allez. Ciao.